Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que hier, je suis allée à Action et du coup je voulais vous montrer mes achats et je crois que j'ai fait un craquage tellement gros qu'en fait j'y retournerai pas du tout de tout le mois là. J'ai explosé le budget, les compteurs étaient dans le rouge. Donc pour commencer, j'ai trouvé des nouveaux Twin Markers. En fait, j'ai passé 1h30 dans le magasin déjà, donc métallique. Donc voilà, j'ai pris le marron, un rose vintage, un magic violet, un mustard gold et un china gold, enfin deux dorés quoi, enfin. Un flamingo pink, un amber rose dans les tons roses, un peu vieux rose, vintage rose. Ensuite, j'y croyais pas trop, mais en ce moment, je suis en train de faire des cadeaux pour mes grands-mères. Je suis en train de faire plein d'albums sur le thème de la mer. J'en fais trois au total, plus un sur le thème de la forêt pour quelqu'un d'autre. Et j'ai complètement défoncer mes blocs et mes kits sur le thème de la mer. Donc du coup, je me disais que ce serait bien d'en retrouver, qu'Action en ressorte. Et en fait, ils ont remis les anciens en rayon. Il en restait qu'un. Donc voilà, j'en ai pris un comme ça. Et j'en ai pris un comme ça. J'en ai pris un sur thème, je crois que je l'ai en une fois, je voulais l'avoir en double parce que franchement il est trop beau. Donc pour les offrir ces albums, j'avais besoin de sacs, tout simplement. Donc voilà, je me suis pris 4 sacs. Le problème c'est que les poignées se sortent toutes seules. Enfin, c'est mal foutu, hein. Donc je pense si vous les prenez, faut compter le temps de les coller. Donc je crois que je vais les coller. Ensuite, bah, j'avais dit que je reprenais celui-là en double. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai aussi retrouvé les pochoirs animaux. Je voulais prendre les deux, mais comme j'ai fait un tri avant d'arriver à la caisse pour pas trop exploser le compteur, je m'étais dit scrap or scrap. Je voulais pas dépasser 50 euros et c'est bon, je suis passée à 41 euros après avoir fait un tri. Sinon, ça aurait fait 60 euros, je pense, au moins. Ensuite, les dies. Donc, c'est là, j'en avais reposé pas mal avant de passer à la caisse. J'ai pris celui-là que je voulais absolument que j'avais en tête. Celui-là aussi que je voulais absolument que j'avais en tête avec le chapeau, je vous en avais parlé. J'ai aussi pris celui-là. Même si au départ c'était pas un coup de cœur, je me dis ça peut être intéressant quand on voit ce qu'on peut faire avec derrière. Pareil pour celui-là. À première vue, c'était pas mon coup de cœur. Puis au final, regardez ce qu'on peut faire avec. Ça fait très joli. Et celui-là, que je voulais aussi absolument, moyennement absolument. Enfin. Ensuite, bah, il y avait 2-3. Enfin, il y en avait 5 au total. Dice qui se battaient en duel de cette série. Là, j'ai pu trouver que ceux-là. Enfin, qui m'intéressaient. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais des Dice bordures. Je les ai pas trouvés. Enfin, il y avait une série bordure que j'ai jamais eue. Et au final, bah, j'ai pris ceux-là. Ça fera l'affaire. Et une petite croix aussi, ça sert toujours pour les photos de communion, le baptême, tout ça. Même si elle est un peu spéciale celle-là. Ensuite, bah, une fallait des Tipex tout simplement. La reine du Tipex, c'est Paulette. Ensuite, il me fallait de nouveau parce que pour mes albums, j'ai quasiment vidé un rouleau comme ça. Enfin, je pense que je l'aurais vidé quand j'aurais fini. Donc, pour 4 albums, ouais. Et comme c'est génial, j'en ai repris un. Bah oui, sinon je l'aurais pas pris si c'était pas génial. Ensuite, de la déco. Donc voilà, j'ai eu pour 2,70 € je crois ce petit renne qui est trop mignon parce que je voulais refaire la déco chez moi, c'est trop coloré. Je voulais un truc plus style argenté, doré, noir, le style industriel comme c'est la mode. Et puis comme tout le monde sait que j'adore les rennes, franchement.
Et j'ai aussi pris ça. Alors j'avais vu il y a 2 ans, ça se vendait pour 15 € sur internet. Et là, franchement, j'ai les deux pour, je crois, 2,18 € un truc du genre. Et franchement, il y en a deux, ouais, dans la boîte, comme l'original. Et bah, j'ai déjà testé hier. Et franchement, je m'attendais à un truc hyper agressif. En fait, bah non. Après, reste à voir si ça marche. Mais a priori, ça marche, oui, puisque c'est la technique tant redoutée. Et ensuite, bah, j'ai lavé mon pompon récemment. Et en fait, il se trouve que je voyais qu'il y avait du noir qui collait. En fait, c'était la colle qui s'était décollée. Donc, au final, je m'en suis racheté un autre. Ensuite, une autre fois, j'avais pris de la gesso. J'avais oublié de vous montrer dans le haul de juillet, en fait. Et en fait, c'est pour... Donc voilà, depuis quelque temps, je vois que c'est la mode de reprendre des objets et de les retravailler. Et comme moi, pendant mon déménagement, j'avais viré plein de cintres. Au final, je les ai gardés. Je me suis dit, je vais faire des cintres altérés. Et du coup, en fait, j'avais déjà commencé le mien que j'avais repeint. Mais en fait, c'est pas... Je sais pas si on le voit sur la vidéo, c'est pas très uniforme. Le bois absorbait de manière inégale la peinture. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire comme tout le monde, que j'allais prendre la bonne vieille gesso pour la recouvrir avant de peindre. Et merde, j'ai voulu brûler les étapes. Dieu m'a puni. Donc voilà, par contre la gesso elle est un peu chère, je crois. Action, elle coûte 4 ou 5 € le tube. Mais c'est un gros tube. Du coup, je vous remontrerai la suite d'Action parce que l'anecdote est intéressante. Vous allez voir, franchement. Je suis passée à Primark et j'ai trouvé ces petits carnets Disney. Il y a toujours du Disney à Primark. Attendez, je vous montre celui du milieu, il est joli. Voilà, alors il y a celui-là, Eat, Sleep, Disney, Repeat. Manger, dormir, Disney, répète. I speak fluent Disney, je parle Disney couramment. But first, Disney. Mais avant ça, Disney. Voilà, bon. Je les ai trouvés très marrants ces petits carnets. Donc, bon, je les ai pris, ça coûtait 2,50 €. Voilà, se faire un petit caprice de temps en temps, c'est pas trop mal. Ensuite, j'avais besoin de grosses pinces, comme j'ai mes grosses pinces, je vous montre. J'avais besoin de reprendre des grosses pinces comme ça à Flying Tiger, mais ils ne les vendaient plus. Du coup, la vendeuse m'a proposé de prendre ça, donc il y en a 10 dans la boîte. Ça coûtait 2 € et je vais voir si ça tient bien ou pas pendant que la colle sèche. J'ai oublié de vous montrer quelque chose tout à l'heure à propos d'Action. J'ai pris celle-là, la peinture métallique, aquarelle, voilà, que j'ai pas encore testée, donc je vous donnerai mon avis quand j'aurai testé. Voilà. D'ailleurs, je vous donnerai mon avis sur la pâte à texturer de sauce Trengreen, parce que j'ai testé entre-temps. D'ailleurs, j'y suis retournée vendredi. Et je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris ces petits timbres. Je les avais déjà vus une fois. J'avais hésité à les prendre. Bah, tout compte fait. Hein. Il y avait des nouveaux stickers. Hein. Donc voilà, je vous montre. J'ai gagné une planche de rhodoïde. Bon, elle est un peu crados, mais bon. Peut-être que ça. Ouais, je peux la ravoir, je pense. Pas totalement. Donc, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça, ces jolies bandes qui sont très jolies. Ça sert toujours les bandes. Hein. Je l'ai gardé de côté, je m'en servais pas jusque-là. Puis vous verrez ce que j'en ai fait là, des bandes de stickers que j'avais gardées d'Action. Vous voyez les grandes planches là, il y en a toujours une qui fait 25 cm à peu près, qui est toute en longueur. Bah, je les ai utilisées. Donc, il y avait aussi des clear stamps sur le thème des vacances d'été, plutôt. Et encore sur le thème des vacances d'été. Ensuite, il y avait une série de die cuts. Je vous montre pas tout, je vous montre grossièrement l'arrière. Donc voilà, c'est plutôt sur le thème vintage, des roses, un peu des villes.
Je verrai en ouvrant. Je vais découvrir tout ça. Et puis c'est tout pour ce Strand Green, ma foi. Donc voilà, j'étais hier dans un centre commercial où je devais me trouver une paire de sandales, une paire de tongs. Je devais prendre de la crème solaire, enfin 2-3 bricoles en fait pour cet été. Et en fait, en faisant toutes les allées pour retrouver un magasin que je savais qu'il vendait des tongs, bon, au final il a fermé ce magasin. Je suis tombée sur un Action qui vient d'ouvrir. Et du coup, bah, je suis rentrée en me disant, je prends rien, je prends rien. Je vois les perles, les paillettes, j'ai rien pris. Et après, alors là, j'ai trouvé plein de choses que j'ai jamais vues nulle part. Et j'ai commencé à craquer mon slip, littéralement. Donc, du coup, j'ai trouvé des nouveaux Clear Stamps. Il y a les lettres de l'alphabet, c'est toujours pratique. Des petits animaux, elles ressemblent à une planche qu'il y a en ce moment dans tous les Actions, mais elle est un peu différente. Là. Il y en avait 6 au total, mais il y en avait 2 qui ne m'intéressaient pas avec des messages en anglais. Ensuite, il y avait les roses en résine. Donc il y avait aussi celle de couleur rose, mais elle me plaisait moins. Donc je les ai laissées à la caisse. Il y avait les cutting dies en lettres. Et il y avait, alors là où j'ai craqué mon slip, c'est qu'il y avait toute la collection des dies. Là, les mini à 99 centimes. Donc je me suis fait plaisir. J'ai pris celui-là qui est super joli. Et par ailleurs, il s'est glissé dans un des blocs que j'ai pris. Donc, en fait, bah, du coup, je ne l'ai pas payé. Je ne sais pas s'il s'est glissé avant ou quand la caissière a passé les achats. En tout cas, c'était pas intentionnel. Et parce qu'il y a 1 euro, franchement. Et voilà. Il y a celui-là. Celui-là qui fait penser au pochoir Love. Encore une bordure. Très travaillée, celle-là beaucoup plus que celle que j'avais trouvée le matin même. Et celle-là. Et il y avait les nouveaux blocs. Alors il y a de nouveaux blocs qui font à peu près 20 par 20 cm. Et dans chaque bloc, il y a 12 feuilles de papier et 12 feuilles de vellum avec du foil. Et avec des messages. Donc je vous montre le premier, là, celui sur lequel j'ai complètement craqué. C'est sur le thème des voyages et particulièrement de la montagne. Donc ça, c'est le vélum. J'ai trouvé, alors je l'ai pris en double hein. Ensuite j'ai trouvé celui-là qui est magnifique si vous aimez le vert. Thank you.
j'ai aussi pris un double. Ensuite, je vous montre un autre que j'ai pris en double, c'est celui-là. Comment dire, il est encore magnifique et surtout il y a du violet. J'avais hésité, mais je me rends compte que j'ai bien fait de le prendre en double. Et un jour, je me ferai un défi, je crois, de faire un album entièrement violet de A à Z, que violet, mais avec des feuilles de plusieurs blocs différents. Je crois qu'un jour, je me ferai ça. Je savais pas que j'avais pris en double celui-là. Bon, j'ai pris celui-là en double apparemment. J'ai pas pris, mais donc The Last One That I Took, c'est celui-là avec des couleurs multicolores. Et celui que j'ai pas pris, il était dans les tons verts, mais vert pelouse, le vert que j'aime pas quoi. Donc c'est, je peux pas vous le montrer, ce sera à attendre pour vous si jamais vous l'avez.
Voilà, j'ai pris qu'en une fois parce que franchement, il est hyper coloré. Il faut quand même trouver avec quoi conjuguer ses couleurs. Quoique j'ai pensé à un album en fait qui est sorti il y a un an et demi et qui s'appelait Bubble Party, je crois, avec des feuilles avec du foil. Donc voilà, moi je pensais à celui-là. Sinon, il y a aussi autre chose, c'est que j'ai oublié de vous montrer un rouge à lèvres que j'ai acheté à Action, c'est celui que je porte. Je crois que c'est bois de rose la couleur. Enfin, ils ont sorti à nouveau plein de maquillage, donc j'ai essayé de pas craquer parce que j'en ai déjà plein à finir. Je me maquille pas très souvent et souvent je prends parce que tout à coup j'ai une folie de maquillage et en fait je me maquille pas tous les jours. Donc voilà quoi, j'ai juste pris ça parce que ça faisait un moment que je voulais un rouge à lèvres de cette couleur. Donc voilà, c'est tout pour ce maxi haul. J'espère que vous n'êtes pas endormis devant votre chaîne. Et puis à bientôt pour le prochain, mais ce sera en septembre, hein. Entre-temps, il y aura des albums quand même. Il y aura 4 présentations de mini-albums. Donc j'espère qu'ils vous plairont. Voilà. Bye! À la prochaine.